Voici venu un temps de grâce, un temps de rénovation, prémisse de résurrection. Le soleil est entré dans le signe du lion le 23 juillet, accompagné d'une grâce spécifique. Les obstacles auxquels nous nous heurtions sans cesse seront dissous dans l'océan de la vérité. L'ère des mensonges prend fin avec la venue de la lumière. Or, la lumière qui descend sur terre, nous pouvons la percevoir si nous nous laissons aller à la connaître. Elle nous connaît de toute éternité. Et nous, nous la reconnaissons en la laissant couler jusque dans nos veines. Elle est une invitation à ouvrir notre cœur et notre corps, à l'inviter à descendre en nous jusqu'au tréfond de nous-mêmes, jusque dans nos abîmes intérieurs, afin d'évangéliser nos profondeurs. Doucement, par vagues successives, elle descend en nous, avec amour et patience, délicatesse et bonté. En l'acceptant, en l'invitant à faire son chemin en nous, nous serons baignés d'une joie indicible. Tout ce qui en nous faisait écran à la lumière, tout ce qui empêchait la vérité de nous apporter la rénovation souhaitée, toutes nos blessures, nos fractures, nos oppositions, nos négations, tout cela sera dissous dans la lumière qui descend sur terre, qui afflue dans nos corps et nos consciences. C'est de l'intérieur que nous serons renouvelés, et ce, dès à présent. À ceux qui refusent la lumière, qui cherchent à lui échapper, afin de se réfugier dans l'ombre et l'obscurité, dans la peur de leur vérité, la lumière qui vient, qui est là, arrachera jusqu'à leur dernier faux semblant et les mettra à nu. Il n'est rien qui ne doive rester caché. Nous n'avons pas à avoir honte ni à l'esquiver, puisque nous lui disons oui, sachant qu'elle est le baume de toute douleur, la réparation de toute erreur et le vêtement de nos consciences. Nous traversons maintenant le temps où ce qui était caché est dévoilé, le temps pour retrouver notre souveraineté et l'unité de ce que nous sommes. La lumière qui nous visite le fait avec une infinie délicatesse. Elle ne force rien, car nous l'y invitons, et il n'y a rien dont nous devions avoir honte lorsque la lumière accomplit son œuvre en nous. Peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes et de nos imperfections, la lumière, elle, sait où elle doit œuvrer afin de nous rendre libres de cette liberté qui est substance même de notre être. Elle sait où elle doit œuvrer afin de nous rendre à notre innocence, qui est notre nature authentique. Déjà, elle éveille en nous de nouvelles forces et de nouveaux enthousiasmes pour nous conduire vers notre destinée la plus heureuse et la plus sage. Nous retrouverons peu à peu la plénitude d'être nous-mêmes,
le bonheur de vivre ensemble et la conscience de respirer le même air. Ceux qui ont épousé les ténèbres avaient oublié que personne ne peut isoler son souffle du souffle de tous et de chacun. Ainsi, l'air saturé de cette lumière divine et sublime est-il le lien qui nous permet de renaître dans un même souffle, dans un même élan commun. Et, demeurant en elle, et elle demeurant en nous, rien ne peut nous arriver, puisqu'elle est le bouclier de notre droit. La mâchoire de la bête sur notre nuque, peu à peu desserrée, les obstacles dressés sciemment sous nos pas se consument, nos larmes se dissolvent comme le sel dans l'océan et nos poumons se gonflent comme les voiles hardies d'un navire poussé par la joie. Te souvient-il que nous sommes attendus sur cette autre rive souriante de la vie? Tu ne le sais pas encore, mais tu es la nouvelle semence destinée à essaimer des champs de consciences audacieux, des terres fertiles qui ne demandent qu'à accueillir tes fruits à venir. Que ton regard se porte vers la lumière, car c'est elle qui t'enseigne le meilleur chemin, c'est elle qui fait de toi un être nouveau, une semence nouvelle. C'est elle qui laboure tes terres intérieures afin de les rendre légères et prodigues, diaphanes et authentiques. Avec la lumière vient la liberté. La liberté jaillit de l'intérieur comme la pousse s'élance dans la clarté du jour. Elle n'est pas à conquérir dans le monde ni sur le monde. Elle t'appartient dans sa croissance et son jaillissement libre lorsqu'elle émerge de tes terres intérieures, rénovées, allégées, fertilisées. Laisse la vérité s'épanouir au travers de la lumière qui t'est donnée, qui brille dans ton cœur, qui rayonne dans ton corps. La lumière qui t'est donnée comme donne un père, comme donne une mère, et non pas comme donne le monde. La lumière qui éclaire le monde, la lumière qui éclaire tout homme, la lumière qui éclaire jusqu'aux ténèbres qui, enfin, la reçoivent. Nous érigerons alors des cathédrales dans nos âmes. Nous nous souviendrons que nos corps sont des temples et nous rirons de nous être laissés distraire par les apparences du monde. Dans la souveraineté de nos jeux, nous irons ensemble bâtir les monuments légers d'une civilisation ouverte et féconde. Et la joie sera notre gain quotidien.